Tu là, je vais courir, on va leur mettre la pression ensemble. On explique le jeu, les gars. Bon, là, bah, tout le monde connaît ça sur le jeu. On fait une gamelle. La personne qui cherche, d'accord, ça va être Hugo. Ok. Attention. Pour pas faire de jaloux, je tire. Ok. Allez, go. Donc là, c'est petite gamelle. Donc en fait, on fait ça entre midi. Là, on est en stage. Et voilà. Donc en fait, c'est le petit stage. Ici, c'est un peu le bordel. On a fait le petit déj. Après, on a mangé kebab. On a fait du cinéma. Enfin, franchement, on se fait plaisir. C'est surtout des enfants du club. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'on peut faire un truc de ouf avec tout le monde. Genre, tous les abonnés, soit un stage sur la détente ou soit un stage, bah, sur comme je suis coach, ce que vous voulez. Ah, David, il fait caca. J'ai une technique. Ellie, viens. Ellie. Bon, bah là, du coup, quand on est trouvé, on se met en prison là. Et puis, ils doivent taper le ballon. Voilà, ça, c'est un petit jeu que les enfants, ils kiffent de ouf. Du coup, on se fait ça. Ouais, j'ai été touché. Et là, après, pour nous délivrer, bah, ils doivent toucher, taper le ballon. Et dès qu'ils tapent le ballon, tous ceux qui seront là doivent sortir. Tu filmes pas, là, quand même. Ouais, okay. Attention, il va venir jusqu'à là. Ou la petite astuce, c'est que des fois, pour tricher, je me casse. Personne ne me trompe. Mais bon, on triche pas. Non, il est où mon caméraman? Punaise. Bah attends, là, je suis pas concentré. Donc là, on est en semaine de stage. Toute la semaine, c'est stage et on a un match samedi. Ça va pas être facile parce que les jambes, le moral, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est de la bonne énergie, good vibe, du good mood. Je sais pas comment on peut dire ça. Comme là, tu vas voir, on fait des petits jeux avec les enfants. On travaille beaucoup sur le dribble, les crosses. On travaille beaucoup le cross, les 1 contre 1 pour être meilleur. On travaille ça au sein du stage et puis on fait beaucoup de jeux ludiques. Soit cinéma, des petits déj et autres. Comme je suis arrivé le dernier, c'est moi qui cherche. Moi, j'ai ma petite astuce, regarde bien. Allez, tirez. 3, 2, 1. Oh là, ok, là il y a tous les enfants qui partent. Moi le but de jeu, je dois aller les trouver. Les 20 premiers que je vais trouver, ils doivent se mettre en prison. Si j'en trouve 15, ils n'ont pas le droit de se faire délivrer. Donc là je les laisse un peu miroiter. Là je vais courir, on va leur mettre la pression ensemble et vous allez voir leur réaction. Il y en a quelques-uns, je sais où ils sont cachés, mais je les laisse pour faire monter la température. Et là c'est parti. T'es prêt? Ça va courir. Ça va courir. Ils font les malins. Allez go. Ok. Là, Lilian, Maë et toi, Alix. Faut que j'envoie plus que 20 des débuts. Angèle, vu. Toi, vu, Evan, la chambre. Vu, Émilie. Lui, Evan, toi. Offstable. Vous deux, vu. Vu, vous, c'est bon. Milieu. Et là, faut vite revenir parce que s'il y en a plus de 20, ils peuvent taper le ballon. Ouh. Ok, c'est qui va gagner? C'est pas toi. C'est moi. Oh là là, et là, ils ont un peu le seul. Oh, Amani. Oh, vu, Alex. Timéo, Roméo, te vois là. Voilà. Donc là, le truc, c'est si quelqu'un tape le ballon, tout le monde est délivré. Attendez, mettez-vous tous dans la raquette, sinon ça compte pas. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ah, gars, let's go! C'est parti! Vas-y, Alex, prends-toi! Allez, Balthus! Oh! Ok, Balthus! Let's go, let's go! Oh! Ok! C'est aussi simple. Tends ton bras! Voilà, comme tout à l'heure, let's go. Encore, let's go. C'est aussi simple. Ok, encore, bats-toi. Ok. Encouragez, let's go. Let's go. Mais non, c'est 3 minutes la finale. Avec toi. Et 40 secondes, go, go. Ok. Let's go, let's go, let's go.
Le bras, le bras, le bras. Hey, 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 le vlog de qualité les gars, comme vous savez c'était un stage cette semaine. On avait le petit stage, voilà. Là il y a match et là je suis sur l'autoroute. Voilà, parce que ce soir je filme un endroit. Je suis proche de Lens avec mon gars Kevin. On est là les gars, on why. C'est parti, les gars vont arriver, donc j'espère pas trop en retard, voilà, sur le bord de l'autoroute. On joue contre qui? On joue contre Tara, les gars, c'est à Lyon. Une équipe qui est ex aequo avec nous, c'est ça Kevin? Ouais, premier ex aequo. Mais il me dit qu'il y a du bon parquet parce qu'il connaît, un peu comme le nôtre. Donc ça c'est stylé parce que c'est vrai que quand tu joues et que tu joues comme à Salah où il n'y a même pas une latte de parquet, c'est un peu chiant de jouer quoi. C'est vrai ça? Ça fait mal aux genoux, c'est chiant, c'est chiant. Mais après on va pas se plaindre, du moment qu'on joue au basket, c'est que du bonheur les gars. C'est que du bonheur de quoi là? Mais c'est vrai que bon, s'il y avait du parquet partout, ça serait mieux, 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 mieux. Donc cool, là c'est Terreur. Après l'autre match, ça sera qui? Du coup. Akurji et voilà, après je vais pas vous faire tout le planning les frérots. Mais, ouais, de toute façon même moi je le connais pas par cœur et du coup voilà, je vais vous dire tout simplement le score final. De toute façon on sait les trucs à positif, trucs négatifs, trucs qu'il faut corriger les frérots. On va essayer de s'orienter sur ça, pas faire n'importe quoi. La dernière fois qu'on s'est déplacé à Lyon, bah c'était pas facile, ils nous ont mis une pression directe, donc là faut pas subir pareil, on sait ce qu'on a à faire et let's go, on attend le minibus ensemble les gars. Vous savez le budget il est un peu limité, du coup il y en a voilà, chacun lave sa tenue, tout ça, chacun se débrouille un peu de venir comme il peut en match. Donc là on retrouve voilà un des joueurs qui n'hésite pas à faire du stop pour aller au match en premier et pas louper le match quoi. Et voilà, tiens bah d'ailleurs le camion arrive. Ah bah voilà. Yes. Oh non merde. On a un peu de retard les frérots au match, donc bon. Ok les gars, les vla, vla nos chefs, ça tombe bien. Minibus, voiture, et il y a même la petite voiture Haute-Louise, les frérots. Les gars, ça va? Ça va bien? Attends, ça va Macon. Salut gars. La forme? La forme. La forme gros? Ah les gars, Léon Boisseau. Dans le Benz. Lunettes d'acteur. Aïe aïe aïe. Les, un gars bien coupé, on se demande pourquoi. Ça va ou quoi les gars? La forme? Chef d'entreprise, on serre la main comme ça nous. Ça fait 2 km, j'allais de m'endormir. C'est quoi ces stages des enfants là, ouais. Crevé, là? Toi aussi t'es crevé? Je suis crevé. On a Samy. Oh regarde les Gova. Oh là là. Ouais. L'homme que toutes les femmes aiment. Ouais. Je reçois déjà des messages. Bon les gars, on est arrivé. Voilà ce que j'en dis les gars. En vrai, ton blabla car. Merci les gars de m'avoir déposé. Merci. Ouais, fais vite parce que là. Frérot, là, let's go. Les jambes sont à moins 2.
moins 4. Putain, les gars, va falloir réveiller ses jambes. Je sais pas si ça vous le fait. Là, je pense que je vais mettre les jambes en l'air, refaire descendre le sang et réveiller ça, réveiller les trucs musculaires. Parce que là, c'est. Les gars, ouais, c'est pas grave, on y va. Ok, les gars. Bon, les gars, voilà, là, on est arrivé. Tarare, les frérots, la salle, elle est plutôt cool. Bah là, vas-y, on va changer. On va changer, les gars, commence à arriver, tranquillou. On va voir les vestiaires et on va se mettre dedans parce que là, il faut se mettre dedans. Du coup, les gars, voilà, effectif un peu réduit. On est 4. On est 4. Mais attends, faut pas sous-estimer. Non, non, faut pas partir de... On va faire une zone. Une 3... Ah bah, une 3-1. Mais PGS muscu. Allez, ça sent bien la caméra. Ouais, ça sent bien. C'est... Hey, ancien BPGEPS. ancien. Les gars, on part sur le vlog, tout nouveau vlog, je crois que c'est le vlog 8. Les gars, c'est un vlog 8, match à l'extérieur contre Tarare. Juste déjà, merci pour les 100 000 abonnés. Les gars, non mais franchement, c'est juste énorme. On avait posté le match énorme, pas facile, VS Espoir. Donc on était tout simplement, je l'ai posté et boum, les 100 000 sont arrivés à ce moment-là. Là, j'ai pu parler juste avant, donc 100 000 abonnés, c'est juste un truc de ouf. Je sais même pas comment ça se passait au niveau des, vous savez, le trophée et tout ça. Donc ça, c'est une bonne question. Imagine, j'ai le trophée. C'est tout petit, je voulais le trophée. C'était grave un kiff. Donc ça, enfin, waouh, quoi. C'est grave bien. On verra comment ça se passe. Si vous savez déjà, n'hésitez pas. S'il y en a qui sont chauds en graphisme, s'il y en a qui sont chauds en montage, vous savez que vous pouvez m'aider sur ma chaîne YouTube pour m'enlever un peu de temps et puis qu'on puisse en faire encore plus. N'hésitez pas à me dire. D'accord, il y a tout simplement deltaloid4@gmail.com. Ça, tu sais que tu peux me retrouver et envoyer tes candidatures. Il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui va traiter ça. Ensuite, les gars, c'est une semaine très, très, très compliquée. On va à Tarare. Nous, la semaine d'avant, avec un des joueurs, là, Hugo, et puis un autre coach, Antoine. Les gars, on s'occupe des enfants toute la semaine. Ça nous a pris énormément d'énergie. Je suis allé au match. Les gars, je ne savais même pas. Pas que je jouais, mais j'étais à l'ouest, quoi. Tu sais, t'es ailleurs. T'as la tête ailleurs. Donc, c'est très compliqué, très dur. Pas facile. Bon, voilà. Les échauffements, je les ai pas fait comme d'hab, pas d'excuses, mais bon. C'est pour ça que même ce soir après cette vidéo là, je vais refaire mon renforcement, on va se remettre dedans un petit peu bien, enfin petit à petit, ça va nous laisser un beaucoup plus de temps, donc c'est bien. Là on passe au match, tout simplement, on va voir les points positifs, négatifs. Donc là dès qu'on attaque, boum, le rebond de notre Joe, Big Joe, donc là c'est trop cool, il est à fond dans le match dès le début, donc il prend bien le match à sa possession et ça c'est très bien. Donc on essaye de le servir grâce, bah après grâce au système, ça le sert lui, donc on essaye d'en profiter, on joue sur ça, donc ça c'est bien. Là quand tu vois cette action, j'attaque fort, il me pousse en même temps, je vais attaquer, je vais faire la passe, j'ai pas essayé de tirer, même ça peut porter à confusion. Lui il attaque derrière, il arrive à le mettre, donc ça c'est très bien, même s'il en a 3 sur lui, mais il est aimé. Donc après on va voir que c'est un petit peu plus compliqué. Là je fais, là c'était pas une passe, je crois il touche le ballon et je vais faire le flotteur, donc pas très ouf. Derrière il remonte le ballon, enfin il rentre grâce à une petite touchette. Donc ça tant mieux. Là, on a une attaque. Là, il prend le ballon, ça réattaque derrière. Donc ça, cette relation, faut pas hésiter à la faire. Ça passe, tu lui redonnes, on redonne. Donc ça, c'est très bien de faire ça. Passe en bas, il la joue, il a un joueur sur lui. Je coupe derrière, on me voit pas, donc c'est pas grave. On reste quand même concentré. Là, boum, il shoot notre Kevin. Ça rentre dedans, parfait. Donc ça, on en avait besoin à ce moment-là. Attaque de Kevin. Il voit qu'il y a un joueur libre. Ça donne en bas parce qu'il se démarque bien. Boum, avec la faute. Et je crois pas, non, elle n'est pas sifflée en fait, il n'y a rien de sifflé sur ça. Là, j'attaque, flotteur. Bon, bah ok, faute, pas faute, je rejoue, je réessaye comme si j'étais un poste 5, ça rentre dedans, donc tant mieux, on va pas se plaindre, c'est un peu brouillon, je vous... Ouais, c'est clair, là, il prend, il attaque, il a un joueur sur lui, il y a déjà un poste 5 en bas, enfin notre DM qui est là, mais il attaque quand même. Il réussit à avoir une faute, donc ça c'est bien, tir 1, voilà, balle à notre meneur, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis assez loin, je m'écarte, il y a un tir, on va au rebond, j'essaye d'aller au rebond, mais c'est mis dedans, donc pas besoin de rebond. Là pareil, il attaque directement, il a une faute, donc ce qui nous fait délancer, donc là il met le premier il me semble, balle en bas, je coupe, ouais, qu'est-ce qu'il a sifflé, j'ai pas trop compris, là j'attaque, il y a la faute dès le début, donc c'est bien, ça me fait les lancers francs, je mets 2 sur 2, ah non, 1 sur 2, là je joue, voilà ce genre de panier les gars, c'est ça, ça a l'air de rentrer, mais ça rentre pas, ça fout le seum, les gars,
Là, un shoot de notre Kevin, ça je vais quand même rebond. T'as vu, je me bats quand même, on a vu ça cette semaine d'aller rebond bloquer nos jambes. J'ai appliqué exactement ce qu'on a pu voir à l'entraînement, donc c'est bien. Voilà, là ça rentre, là c'est match de l'autre côté. Regarde, là il y en a 3 sur lui, bah les couilles, hein, je coupe à l'opposé. Bon, on se frustre pas, je suis là, je comprends rien, je me dis mais c'est quoi ce basket les gars. Moi je vous dis la vérité, c'est comme ça que je le ressens. Là je coupe, je suis tout seul, non, il n'y a pas. Allez, on va faire ça comme jeu. Donc voilà, c'est un choix, hein. Ça se trouve, je me trompe. Moi, j'essaye encore d'essayer de trouver des solutions pour eux, pour essayer d'être libre, mais bon, voilà. Moi, je donne quand même s'il y a un gars en bas. Hop, bon, malheureusement, il ne le met pas, mais il arrive à avoir une faute de l'ancien, donc c'est très bien, faut pas hésiter. Même si vous n'êtes pas servi, voilà, j'ai pas forcément ce que je veux. Parce que d'habitude, voilà, mes coupes à l'opposé, j'ai le ballon, là, je les ai pas, faire 2, 3, 4, 5 fois. Bah, c'est pas pour ça, quand j'attaque, il y a un joueur tout seul, en gros, je vais pas lui donner. Non, je lui donne, je vais jouer. Et là, une contre-attaque, et boum, les frérots. Boum, une contre-attaque. Attends, celle-là, je te la remets, frérot. C'est ma première contre-attaque. Alors, je cours, hein, je cours. Je peux vous dire que je cours. À la base, c'est ma force. Mais là, ça fait plaisir. Les dunks comme ça, on n'en voyait plus, les gars. Ma première contre-attaque. Bam! Voilà! Dans le museau. Ah, ça fait plaisir. Allez, Colette. Ouais, bref. Là, hop, je mets un lancer. Boum, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est bien. Reviens au sérieux. Là, ils jouent. Boum, 2-3 sur eux. C'est pas grave, ça rentre. Tant mieux. Là, ça shoot, on va essayer d'aller au bon, mais il le met dedans, donc ça c'est bien. Là, petit shoot, il crée. Bon, l'autre, tu vois qu'il met un coup, c'est bizarre quand même ça, mais. Puis là, attends, faut pas chauffer notre petit, sinon il y a bagarre, gros. Le gars, il est tout petit, il est tombé quand même en chaud, laisse tomber, c'était marrant. Enfin, bref, un peu de trucs comme ça, bon. Ça se bat pas, à tout moment, ça c'est bien. J'attaque, il y a un joueur tout seul, je lâche. Voilà. Souvent, je fais ça. Alors, au tout début, enfin, je vous expliquerai après. Voilà, là, on met dedans. Parfait, c'est bien. Là, je vois un gars tout seul, je relâche. Il crée sa faute. Donc là, enfin, il crée. Je sais pas si c'est du basket ou je sais pas quoi. Là, boum, il reprend le ballon, il joue, mais bon, je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai pas tout compris. Vous allez voir, il y a même une action, gros, c'est bizarre. Hein. Je crois que c'est celle-là, regarde. Il tire. Le ballon n'y est pas, je réattaque, je vois un gars tout seul, je lui lâche encore une fois. Là, bah non. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je crois que je sais plus c'était quand. Bon là, lié, ça c'est bien, j'avais pas mis beaucoup des points, mais voilà. C'est pas grave, j'ai essayé de servir dans d'autres situations et je crois que c'est celle-là. Regarde, boum. Ah non, c'est pas celle-là encore, celle-là je la mets. Non mais c'est pas celle-là, il y en a une, c'est assez drôle. D'ailleurs, il y a les rouges, il y en a, ils parlent énormément. Moi, quand je loupais, ils me disaient merguez et tout, c'était trop marrant. Enfin bref, là, regarde, là je tombe. C'est pas grave, je vois qu'il y a offensif pour moi, je relève mon joueur, je check l'arbitre et je me casse. C'est ça les gars, faut pas se prendre la tête. Je sais pas, tu parles longtemps, machin, non. Prends ton kiff, sinon qu'est-ce que tu veux kiffer. Enfin bref, voilà, là je prends, on ressort le ballon, vous allez voir, c'est chaotique. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Boum, ça tombe, on loupe, là récupère lui, c'est pas comment il l'a, il va se tirer, il le loupe, il le reprend, prend par terre, machin. Oh là, c'est pas beau les gars, c'est pas beau. Ah les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, sincèrement, mais bon, écoute. Là, ça prend le ballon, ça tire, ça le met normalement, et ça le rentre dedans. Dans les commentaires, chance ou pas. Mais c'est rentré, donc c'est bien. Là, il rentre, il se remet en confiance dedans. Fin du match, point positif, point négatif, les frérots. Déjà, c'est qu'il y a un dunk, voilà. Le prochain match, faut qu'il y ait du dunk. Basta, on retourne à la salle, on s'entraîne, les frérots. On veut du dunk, il y a que ça qui est intéressant. Comment veux-tu te faire repérer ou qu'on te prenne dans un plus gros club? Si t'arrives, tu sais faire que des doubles pas. Faut aller chercher du dunk, les frérots. Voilà. Non, parenthèse, sans rigoler, point positif, c'est que franchement, j'ai fait des trucs mauvais. Pour moi, c'était pas forcément un bon match que j'ai fait, mais je suis resté dans mon match, donc ça c'est positif. C'est à dire que même les joueurs ils tombaient ou ils faisaient n'importe, les joueurs adverses, je te parle, j'allais les ramasser, ils mettaient un panier, je les checkais quand même. Quand j'allais marquer, j'étais content pour moi. Il y a un gars qui marquait, j'étais content pour lui. Au début, je faisais de la merde, c'est à dire que j'attaquais, je l'ai corrigé sur 3 minutes, mais ça c'est assez, tu vois, pour braquer des joueurs de ton équipe tout le match. Donc faut faire attention à ça, même vous, si ça vous arrive, ça c'est j'attaque, je vois que j'ai pas levé la tête, je suis allé tout seul. Bon, prochaine attaque, faut que je me le dise, je vois, je lâche. Voilà, donc là tu l'as vu, j'attaque, j'ai lâché le ballon plusieurs fois et ça faut pas hésiter parce que surtout je suis un joueur qui va attirer beaucoup de monde, donc qui attire beaucoup de monde, faut lâcher ce moment là ensuite je me suis mis positif négatif, hein. Oui, je me le suis dit, mais un peu tard, c'est à dire de me dire qu'est-ce que, quand j'attaque, qu'est-ce que fait la défense. C'est ça qui est vraiment percutant pour moi, pour me dire est-ce que je dois attaquer à ce moment là est-ce que j'attaque pas, qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est important de me le dire, ça je me suis dit peut-être un peu tard. Puis après je me suis battu pour quelques rebonds pour mon équipe et tout ça, voilà, j'ai essayé un peu plus sur la défense ou autre. Après voilà, j'étais très déçu sur le fait, bah voilà, je coupe à l'opposé.
poser, j'ai pas de balle. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah c'est même si c'est saoulant, je continue. Hein. Écoute, faut continuer. C'est pas pour ça qu'après, quand j'attaque, je ne lâche pas forcément le ballon à l'opposé. Mais c'est frustrant. Les frérots, voilà, vous le savez, même pour moi, quand je vous le parle, vous le sentez que c'est frustrant. Et je pense que je suis pas le seul et vous avez déjà cette solution-là. Les gars, la meilleure solution, c'est de continuer. Allez-y, peut-être crier, faites balle pour essayer de vous faire voir un petit peu. Et voilà, voilà. En tout cas, comptez pas vos points, comptez vos objectifs. Mes objectifs, vous le savez ce que c'est. Là, il faut du dunk dans tous les cas. Il y a eu un dunk, c'est bien. Maintenant, il faut essayer de mettre des dunks sur la gueule des autres quand ils sont en bas. Faut sauter, faut pas hésiter. Il n'y a pas d'excuse de genou. De toute façon, le genou, si voilà, il va confiant. J'ai tellement bossé qu'il n'y a pas de raison. N'oubliez pas qu'il y a le site internet d'ailleurs, www.commentdunker. N'hésitez pas à aller checker ça, les frérots. On se rejoindra, en tout cas, j'espère, pour la prochaine vidéo. On joue à la maison contre Kurji, qui est une bonne équipe également. Pas prendre à légère, il y a des bons joueurs, c'est des joueurs intéressants. Voilà, mais avant tout, se faire kiffer. C'est des gars comme nous, comme tout le monde, on s'amuse. Ils veulent s'amuser sur le terrain, mais ils veulent gagner aussi. Donc voilà, c'est bien, c'est kiffant. Voilà, kiffez votre basket, les frérots. S'il y a des petits trucs comme vous avez vu avec moi là, c'est compliqué, bah passez outre, faites-vous kiffer. Puis si c'est pas avec votre équipe, c'est avec les autres. Et puis si c'est pas sur le terrain, ce sera l'entraînement. Et puis si. Et puis voilà quoi, gao. Non, voilà, tout simplement, les gars, en tout cas, bon, il y a 100 000 abonnés. Ça, c'est grave kiffant. Voilà, on part. J'ai des projets, je peux pas vous les annoncer là, mais si vous en avez, mettez-les dans les commentaires. On se rejoint pour la prochaine vidéo, les gars, on est en force. Et let's go, les gars. Comment on coupe la caméra? C'est là.